moins de 50 centièmes de moins entre les différents concurrents. Voilà, Yann, que l'on a vu avec un mouvement simplifié, effectivement a été sanctionné pour cela. Dimitri Karbanenko à la barre fixe. Oh, oh là là, lourde chute. Que peut-il se passer dans sa tête, Michel? Une chute sans gravité, heureusement, mais quand même, là, Karbanenko, tout à l'heure, hors antenne, un petit peu en difficulté. Là, de nouveau, en difficulté. Et oui, c'est Kovacs un petit peu proche de la barre. Petite faute technique, très certainement. Et puis aussi certainement beaucoup de fatigue accumulée avec le concours général d'hier soir. Dimitri, qui était revenu à son meilleur niveau, a donné beaucoup, beaucoup physiquement et il le paye aujourd'hui, je crois. Oui, car précisons également que Dimitri est le vétéran de la gymnastique française. C'est un solide russe né à Kaliningrad en 1973, à l'époque du rideau de fer, du pacte de Varsovie, hein, si je peux dire. Donc, Dimitri a connu toute une évolution passionnante, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie, tout simplement. C'est un garçon extraordinairement attachant. Et comme tout grand champion qu'il est, il va évidemment remettre cet exercice, même si évidemment le titre s'envole. Décidément, tout s'envole cet après-midi pour le pauvre Dimitri. Oui, et puis très déconcentré probablement, c'est très difficile. Ce sont des exercices à haut risque qui nécessitent extrêmement de précision et un peu trop de fatigue, un petit peu moins de vigilance, et c'est la chute. Voilà, ici, il l'a refait. Il était trop près tout à l'heure, là, il est trop loin. En quelque sorte, il a essayé de se régler, mais manque de chance, ça n'a pas marché. Je ne pense pas qu'il essaiera une troisième fois, Nelson, et il va certainement... Bien, je ne sais pas, le feuilleton, Karbanenko a l'air de... Épisode 3 a quand même l'air de prendre, lui, il ne vous a pas tout à fait écouté. Non, il ne refera pas, c'est trop difficile. Attention. Oh, là, il tient. Allez, des sports de Nantes, c'est sûr. Voilà, le tour volant au-dessus de la barre. Le passage dorsal, le changement de face. Allez, une sortie maintenant. Voilà, triple arrière. Voilà. En tout cas, soutenu par le public, Nelson, comprend parfaitement la difficulté et la fatigue du gymnaste. Ah oui, à l'applaudimètre, oh là là, il fait un triomphe, Karbanenko. Peut-être même aurait-il eu moins de succès et d'applaudissements s'il n'avait pas chuté, allez savoir. C'est même probable. Oui, car... Oh. C'est un public de connaisseurs et il se rend compte de la difficulté pour le gymnaste. Sacré Dimitri. Quel garçon sympa. Vraiment, nous l'aimons beaucoup et encore une fois, il est inoxydable, ce garçon.